Salut à vous. Yes. Là, je suis dans un jacuzzi privatisé pendant une heure pour moi. Et je suis heureuse de vous partager cette vidéo parce qu'en fait, il s'est passé des choses intéressantes ces derniers jours pendant mon road trip en Corse, dans un van aménagé que des amis me prêtent. Et en fait, ce séjour est tellement magique, il m'a amené à me dépasser tellement, à sortir de ma zone de confort dans plein d'endroits. Et en fait, ça a permis de me faire exploser des croyances, ça m'a permis de faire basculer des peurs en confiance en fait. Ah, le cycle des bulles s'est arrêté, c'est parfait. Et du coup, d'avoir vraiment la joie de pouvoir affronter l'inconnu dans un sentiment de plénitude. Alors au début, du stress, des tensions et des appréhensions beaucoup, et en même temps une telle joie d'avoir cette opportunité de partir un mois en van aménagé et de pouvoir partir en Corse, qui était une destination de rêve depuis longtemps pour moi. Et tout au long du séjour, en fait, j'ai eu des opportunités incroyables, des cadeaux qui m'ont été donnés, des rencontres merveilleuses, et il s'est passé des choses très fortes pour moi auxquelles je pensais que j'aurais jamais accès, et finalement ça m'a été offert sur le parcours. Et j'ai vraiment le sentiment que la vie, elle nous dit merci dès lors qu'on lui dit un grand oui, et ça, c'est très fort pour moi. Et ce que j'avais envie de voir avec vous, c'est: est-ce que vous prenez le temps de célébrer vos avancées, de célébrer vos dépassements de vous-même, de célébrer lorsque vous sentez que vous avez passé un cap dans votre vie, que vous avez dépassé un niveau, que vous avez franchi des peurs, que vous avez dépassé en fait la zone de confort et que vous vous êtes offert quelque chose qui est digne de vous en fait, vraiment. Là ce soir, je me retrouve dans un jacuzzi, l'eau doit être à 30, 32 degrés, je sais pas, elle est très chaude, c'est super agréable. Et en fait, je suis d'abord allée dans un camping spa. Je me suis offert un hôtel hier soir parce qu'en fait le temps a tourné, il fait froid, il y a beaucoup de vent, il y a eu de la pluie aujourd'hui encore un peu, hier des trombes d'eau et un vent assez important, et la mer était tellement agitée que les escapades que j'avais prévues ont été annulées. Et du coup, bah, je me suis, ok, à la plage, je me suis fait un hôtel spa hier soir. Le spa était médiocre, il y avait plein de choses fermées, le jacuzzi, l'eau était froide, bon, c'était assez moyen. Par contre, je me suis fait un bain aux bougies qui était exceptionnel. C'était délicieux. Quand on est en van aménagé, c'est des choses comme ça qu'on finit par... voilà, qu'on apprécie énormément. Et puis là, j'ai changé d'hôtel ce soir. D'abord, je suis allée dans un camping spa. Je voulais, voilà, aller dans un truc un peu plus simple. Et finalement, je suis arrivée au camping et je le sentais pas bien. L'accueil, j'ai pas aimé. Je suis rentrée dans un mobilhome. J'avais réservé un mobilhome. J'ai pas du tout aimé l'endroit. Je me sentais pas du tout bien. Donc je suis retournée à l'accueil et j'ai demandé à avoir juste un emplacement pour le camion. Elle m'a proposé d'essayer un autre mobilhome, ce que j'ai fait. Et finalement, ça ne me plaisait pas. Je suis allée à l'espace spa, il n'y avait personne. Et j'ai galéré un peu dans le froid à attendre. Voilà. Après j'ai vu une pancarte, j'ai mis longtemps à la voir, qu'il fallait mettre un petit mot sur le comptoir en fait. Donc j'ai mis un petit mot, la personne m'a rappelé 10 minutes après pour me dire que l'espace pouvait être privatisé, mais voilà, dans l'immédiateté en fait, sinon c'était pas dispo avant le lendemain après-midi. Et en fait, ça me coûtait 50 euros de plus. Et en fait, pour le même prix, j'avais le confort d'un hôtel spa en fait, pour exactement le même prix. Donc j'ai pris mes clics, mes claques, mes affaires, et je suis retournée à la réception, j'ai demandé à annuler ma réservation, ils m'ont remboursé, pas de souci. J'ai pu repartir et je suis arrivée dans cet hôtel spa qui est absolument magnifique, tout en pierre. Là, je suis à l'île Rousse, donc j'ai quitté Calvi pour arriver à l'île Rousse, au bord de la mer aussi, toujours, côté ouest de la Corse. Et là, je rentre dans ce jacuzzi, voilà, l'accueil est exceptionnel. Je peux être là jusqu'à 22h si j'ai envie. Je peux revenir tout à l'heure, l'espace est réservé pour d'autres personnes tout à l'heure. Et là, dans ce jacuzzi, là, ça fait un moment que je savoure cet instant. Et tout d'un coup, je réalisais comme c'est bon de célébrer ses avancées aussi, de se faire du bien, de s'offrir des cadeaux comme ça. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait plaisir comme ça, juste pour moi en fait. Juste pour apprécier la femme que je suis, pour savourer ce qui se passe pour moi en ce moment, pour apprécier les cadeaux que je reçois, parce que le temps passe vite et en même temps,
Les moments les plus puissants sont ceux qu'on savoure, sont les instants présents en fait. Et la vie, c'est maintenant en fait. C'est ici, maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et comme le temps a changé, qu'il s'est mis à pleuvoir, la mer était très agitée, tout ça, c'était magnifique d'ailleurs. Bah, du coup, j'ai re-questionné bah, comment j'ai envie de vivre, de traverser ce temps qui m'est donné. Et tout d'un coup, c'était un besoin de cocooning, de confort, de chaleur, de douceur. Et avec ce froid, j'avais pas envie de rester dans le camion. Et voilà, je me suis fait ce cadeau. Et je réalise à quel point mon corps me dit merci. Et c'est un délice en fait. C'est un délice et je nous invite vraiment chacun à célébrer plus souvent les personnes que l'on est, les pas que l'on fait en avant, les étapes que l'on franchit. Et juste de s'aimer soi-même en fait dans des moments comme ça. Et il y a plein de façons de se faire du bien, de se prendre du temps pour soi, de se relaxer, de se détendre et surtout d'être à l'écoute de ce dont on a besoin et d'y aller en fait, d'y répondre. Et ça c'est, voilà, c'est très agréable. Et je suis pas en train de visiter l'île, mais j'ai vu déjà tellement de choses qu'aujourd'hui me faire du bien parce qu'il fait froid dehors, ben ça me va nickel. Et voilà, donc c'est un vrai bonheur que je partage avec vous. Et j'aimerais bien savoir comment vous célébrez vous-même. Quelles sont les dernières avancées que vous avez eu envie de célébrer? Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye!